Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%, j'essaye d'être dynamique. Aujourd'hui, la critique flash de... Comment je vais dire ça? Comment on dit 40 en anglais, Alex? 14. 14-in-1 Explosive. Non, faut pas faire des titres en anglais. Money Shot Tokyo Café, mais on commence avec les news. I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. Si vous êtes fan de Star Wars, alors vous vous souvenez très certainement de cette fameuse scène où Obi-Wan affrontait Dark Vador, son ancien apprenti. Une scène mémorable que les studios LucasArts ont parodiée eux-mêmes dans le cadre de la promotion de Kinect Star Wars. L'occasion de nous rappeler avec humour que ce jeu utilisera l'appareil de détection de la Xbox afin de faire de vous un véritable petit Jedi de salon. Et qu'il a donc le potentiel d'être le jeu rêvé par toute une génération de gamers. Enfin, s'il a été optimisé depuis le dernier E3. Après un retard de plusieurs mois par rapport aux consoles de salon, Rayman Origins sera finalement disponible le 29 mars prochain sur PC. L'occasion pour ceux qui jouent sur Windows de profiter de cette petite perle du jeu de plateforme en 2D, 15 ans après la sortie du premier épisode. D'ailleurs, si vous hésitez encore à vous le procurer, nous vous invitons à consulter notre critique sur No Life Online. Ah, et petite surprise pour ceux qui précommanderont Rayman Origins auprès de certains distributeurs de la version digitale. Une copie téléchargeable de Rayman 2 sera offerte. Featuring four-player co-op. Meet the new crazy. Rayman Origins. On vous a déjà parlé de Wargame European Escalation, le RTS de Ugen Studio, promettant d'afficher des cartes de jeu grandes de 150 km² grâce à son moteur graphique l'Iris Zoom. Les développeurs nous informent aujourd'hui que leur jeu proposera un total de 361 unités différentes, et voici quelques images des forces de l'OTAN. Rappelons que Wargame European Escalation se déroulera dans une période fictive où la guerre froide aurait dégénéré en conflit armé. Les 180 unités de l'OTAN compteront donc aussi bien des tanks, des hélicoptères de combat que des véhicules de soutien. Il y a quelques jours, je regardais un jeu débile sur TF1, je sais plus le nom. Mais en gros, les gens, ils ont plein de sommes d'argent, et puis ils ont des questions, il y a plusieurs choix possibles de réponses, et ils doivent poser... En fait, en gros, ils ont tout l'argent qu'ils peuvent gagner dès le début, et en gros, quand ils répondent mal, l'argent disparaît, et ils le perdent. Et ça fait qu'à la fin, tu peux t'en trouver avec juste une liasse de billets de 20 euros, quoi. Et il y a une question qui était posée au candidat, c'était... Quel métal était appelé autrefois le vif argent? Et moi, du tac au tac, je dis ah, le mercure, quoi. Et dans les propositions, il y a le mercure. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Et il y a l'animatrice qui dit à la fin, elle fait, eh oui, ça s'appelle aussi le vif argent, puisque le mercure est un métal qui peut être à l'état liquide très rapidement, et quand on le chauffe, il bouge, etc. Machin, c'est le vif argent, et en plus, il est brillant. Et je reviendrai là-dessus après la critique flash. Disponible aussi bien sur l'eShop de la 3DS aux environs de 8€ que sur la boutique DSiWare pour 800 points Nintendo, 14-in-1 Explosive Megamix se présente donc comme une compile de 40 mini-jeux réalisés par le studio North Current. Ce dernier s'est distingué ces dernières années avec une autre compilation, 101 Games in One, sortie sur DS, Wii, puis en téléchargement sur PSP, WiiWare, ainsi que sur smartphone. Ils se sont même fondus d'une compile dérivée orientée sport avec 101 in One Sports Party Megamix, sortie sur DS et Wii aux US. Autant dire qu'ils ont trouvé un créneau et comptent bien l'exploiter à fond. Avec une nouvelle version téléchargeable sur DSi et 3DS, ils se contentent malheureusement du strict minimum et encore. Déjà, la compile propose seulement 40 mini-jeux contre 101, voire 119 sur smartphone, alors que le jeu est gratuit sur les plateformes Android et iOS. On est donc en droit de se demander ce qui pourrait justifier ces 8€. Ce n'est pas la direction artistique du jeu, passe-partout et enfantine, qui ne peut guère prétendre concurrencer les productions Nintendo telles que les WarioWare. Ce n'est pas non plus la qualité des jeux, qui s'avère être des mini-jeux génériques, déjà joués 1000 fois, mais en plus beau et en plus abouti.
À vouloir trop en faire, on en fait souvent moins, c'est le cas ici. Prenons quelques exemples, comme celui du mini-jeu Chef Cuistot. Ce dernier est un clone de Fruit Ninja, où il convient de trancher au stylet un certain nombre de légumes sur l'écran tactile. Sauf que là où le titre Half-Brick Studios se distinguait par un gameplay agréable, quoique répétitif, et surtout une réalisation irréprochable, le minigame North Current est un petit condensé de frustration, peu précis, peu lisible et incroyablement laid. Autre exemple, celui du minigame Chute Libre, où l'on contrôle la chute d'un petit bonhomme de papier qui n'est pas sans rappeler l'un des minigames de WarioWare, Paper Plane, également téléchargeable sur le DSiWare pour 2€. Absolument génial, Paper Plane est l'exemple même du mini-jeu addictif au possible, car doté d'un gameplay très fin, nécessitant un excellent sens du timing et une concentration de tous les instants. La version North Current, elle, s'avère une nouvelle fois basique, mal réalisée et surtout sans profondeur. On pourrait ainsi poursuivre longtemps les comparaisons, mais on va s'arrêter là, inutile d'en rajouter. Outre son manque flagrant d'originalité, son prix exorbitant pour l'offre proposée, ses graphismes repoussants et ses contrôles aléatoires, 101 Games in One souffre d'une difficulté mal dosée. Lorsque le minigame se contente de répondre à une logique purement industrielle, il y perd son âme et oublie son objectif principal, divertir. Et pourquoi je vous raconte ce truc sur le vif argent? C'est juste que parfois, quand on regarde la télévision, on se dit « Oh là là, mais en fait, je suis pas comme tout le monde. Je dois être un peu geek. » Parce que moi, j'ai répondu le mercure, mais du tac au tac. Mais c'est pas du tout parce que je me suis dit « Ah, le métal, il bouge, ah, le thermomètre, etc. etc. » C'est juste que moi, la meuf, elle a dit vif argent. Moi, j'ai fait vif argent. Ah oui, fils à Magneto. Magneto qui gère le métal. Magneto, il a un fils qui s'appelle vif argent. Vif argent, son pouvoir, c'est la super vitesse. La super vitesse, c'est un dieu qui apportait le courrier aux gens, c'était Mercure. Mercure, il apportait le courrier aux gens et c'était la super vitesse. Si Bif Argent, ils l'ont appelé comme ça, c'est parce que ça vient de Mercure. Et de son père, vu qu'il gère le métal, Magneto, bah, Bif Argent, c'est le Mercure. Et quand tu vois la meuf qui explique et que toi, t'es devant ta télé, et bien sur le coup, tout seul, j'ai fait... En fait, je suis un peu un geek. Moi direct, quand t'as dit vif argent, je pensais que t'allais parler de la bataille des planètes, parce que c'est dans les paroles plus brillant hein, que du vif argent. Ben voilà. Et donc, je pense qu'on peut devenir intelligent en regardant des trucs qu'on a l'impression qu'ils rendent pas intelligents. Intelligent, je sais pas, mais peut-être avec plus de connaissances. Un peu de culture. On en saura un peu plus après Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, nous nous attarderons sur quelques-uns des films les plus attendus de l'année avec The Dark Knight Rises et Prometheus. La franchise Batman est revenue de loin. Après les deux excellents épisodes de Tim Burton, la série est passée entre les mains de Joel Schumacher et le résultat fut catastrophique. En seulement deux films, le réalisateur de 8 mm a réussi à ridiculiser l'un des héros les plus sombres de DC Comics en le faisant passer lui, ses sidekicks et ses ennemis pour des bouffons de foire dans un Gotham flashy néon qui ferait passer la Gay Pride pour une commémoration du débarquement en Normandie. S'ensuit un blackout de 8 ans pendant lequel la Warner, détentrice des droits de Caped Crusader, essaye tant bien que mal de relancer la franchise par le biais de suites ou d'un crossover Batman vs Superman qui n'aboutiront jamais. La solution choisie fut une pratique qui n'était pas encore très courante à l'époque à Hollywood, le reboot. On reprend tout depuis le début, on fait table rase des précédents films et on recommence. Le résultat sera le sympathique Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan, et qui s'intéresse à la manière dont Bruce Wayne s'est mué en Batman en adoptant une approche un peu plus réaliste. Ayant récolté des critiques plutôt favorables et pas moins de 370 millions de dollars à travers le globe, une suite est mise en chantier. Cette suite sortira 3 ans plus tard sous le titre The Dark Knight, et là, ce fut un choc. Le film dynamite toutes les attentes des spectateurs en proposant un univers visuellement moins sombre, mais aux propos beaucoup plus noirs, et met le Batman face aux conséquences de ses actes et face à un Joker terrifiant magnifié par l'interprétation du défunt Heath Ledger. La presse et le public sont dithyrambiques, et le film fait tomber des records au box-office mondial avec un peu plus $1 milliard de recettes. Bien entendu, une nouvelle suite était prévue, mais contrairement à The Dark Knight, ce troisième volet est attendu au tournant, et la pression est titanesque sur les épaules de Christopher Nolan et de son équipe. Cette suite, ce sera The Dark Knight Rises. On ne connaît pas grand-chose du scénario qui est tenu secret. Les seules choses que l'on sait, c'est que l'on y verra l'apparition de Catwoman et que le grand ennemi de Batman sera Bane. Et ce n'est pas non plus la bande-annonce qui nous donnera plus d'indications quant à la teneur scénaristique du long-métrage. Au cast, on retrouvera Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt et Tom Hardy.
C'est avec une grande impatience que l'on attend la sortie de The Dark Knight Rises, prévue pour le 25 juillet 2012, en espérant que Nolan ne nous décevra pas et apporte une bonne conclusion à la trilogie du Chevalier Noir. En tout cas, le trailer nous l'annonce comme épique et on a bien envie de les croire. Oh, say can you see by the dawn's early light? You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't. The mayor's gonna dump him in the spring. Really? Mm-hmm. But he's a hero. A war hero. This is peacetime. You think this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. Because when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. What does that mean? Rise. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Comme pour The Dark Knight Rises, il ne va pas être très facile de parler en profondeur de Prometheus, tant le nouveau film de Ridley Scott est entouré de mystères. Déjà parce que les producteurs, les scénaristes et le réalisateur nous mènent en bateau depuis des mois. Au début, le projet était annoncé comme une préquelle à la saga Alien. Ensuite, on nous dit que le scénario est tellement énorme que le film sera en fait un diptyque. Après, on apprend que l'histoire s'éloigne tellement de la saga Alien que ce sera un tout autre film. Qu'au final, il n'y aurait qu'un seul film. Et malgré tout, le long métrage serait imprégné de l'ADN Alien et qu'il se déroulerait dans le même univers et qu'il y aurait des connexions, et ainsi de suite. D'après le pitch officiel, l'histoire se déroulerait bien avant les événements de Alien et suivrait un groupe de chercheurs et de scientifiques découvrant des indices sur les origines de l'homme et de la Terre. Ces découvertes les mèneront à se battre pour leur survie et celle de l'espèce humaine. Énigmatique, ce pitch ne nous éclaire pas réellement sur le fait que Prometheus fera bien partie de la saga Alien et si l'on verra ou non la trogne d'un facehugger, d'un chestbuster ou d'un xénomorphe. Ce que l'on sait réellement, c'est que le film se déroule sur LV-426, que l'on y verra le vaisseau où se trouvaient les œufs de xénomorphe du premier film, et que l'on en saurait un peu plus sur le mystérieux Space Jockey aperçu lui aussi au début du film de 79. De plus, à la vue de ce premier teaser, le doute n'est plus permis avec l'apparition du titre à la façon du premier Alien, et surtout grâce au logo de la compagnie Weyland-Yutani que l'on peut voir sur certains véhicules. Côté cast, on retrouvera Naomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce ou encore Patrick Wilson. Ridley Scott revient donc au genre de la science-fiction qu'il a révolutionné par deux fois et qu'il n'avait plus touché depuis Blade Runner en 82. Après une décennie à pédaler dans la semoule, on espère qu'il ne flinguera pas son projet le plus ambitieux et excitant depuis bien longtemps. Cependant, ce premier teaser est extrêmement rassurant, avec son ambiance anxiogène et ses images aussi belles qu'ultra spectaculaires. Fin du mystère lors de la sortie de Prometheus le 30 mai 2012.
Pour finir, voici le trailer du premier volet du diptyque sur Bilbo le Hobbit, qui fait l'effet d'une Madeleine de Proust, nous ramenant une dizaine d'années en arrière lorsque l'on découvrait pour la première fois sur grand écran la Terre du Milieu, vue par Peter Jackson. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. I can't just go running off into the blue. I am a Baggins. Wait! Of Bagend. Bilbo. Allow me to introduce Fili, Kili, Oin, Loin, Darlin, Balin, Biffa, Bofa, Bomba. Dory, Nori, Ori. And the leader of our company, Thorin Oakenshield. Far over the misty mountains cold. To dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red. It flaming spread, the trees like torches blazed with light. I cannot guarantee his safety. Understood. Nor will I be responsible for his fate. A tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. My name is Bilbo Baggins. Bagginses. What is a Bagginses? Precious. Honnêtement, combien de gens se sont intéressés à la mythologie grâce au Chevalier Zodiac ? Je suis sûr qu'il y a eu une explosion de ventes de bouquins sur la mythologie grâce au Chevalier Zodiac. C'est obligé. On a ça dans notre culture personnelle aujourd'hui, mais on a appris plein de choses grâce au Chevalier Zodiac. Qui connaissait les cartes, les tarots ? Moi, c'est grâce à Jojo Bizarre Adventure. Sinon les tarots, toutes les cartes de tarot, je les connaîtrais pas. Les Jojo Bizarre Adventure, à chaque fois tu fais « Ah, ça va être quelle carte ?» et tout ça, machin. En fait, t'apprends, mais d'une manière, putain, décomplexée du gland. Mais c'est chaud ça, hein, à dire. Moi, j'ai pas dit ça. Mais les cités d'or aussi. Hein. Et les cités d'or, on apprend des tonnes de choses. Et mais il y a aussi Urotsukidoji qui t'apprend aussi l'anatomie féminine, par exemple. Si. Je te regarde, Alex, oui, je te regarde, mais c'est vrai, on apprend plein de trucs, finalement. Et moi, je suis fier, voilà, je me suis rendu compte en regardant TF1 que j'étais fier de savoir des choses, mais d'une manière un peu détournée. Regarde Tokyo Café. Salut, c'est No-chan. Alors aujourd'hui... Salut, No-chan, c'est Suzuka. No-chan, aujourd'hui, No-chan News, je suis pas d'accord. Suzuka, attends, j'avais prévu de mettre ça dans. Donc, normal, je vais te faire un anormal. Donc, je vais te faire un anormal. Donc, je vais te faire un heartful carriage. Showcase. Il est chez moi, Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? ハートフルは英語ですが、これは日本語のハトにかけた言葉遊び。そう、タイトル通りこのゲームはハトを彼氏にする恋愛ゲームです。もともとは同人ゲームでしたが、あまりにも人気が出たため、今は優勝版も販売されているそう。Windows XP または Mac OS X で遊べます。Histoire.
学校生活が舞台のストーリー。この学園ではプレイヤーはただ一人の人間、周りはすべて鳥。お話は高校2年生から始まり、プレイヤーは1年間の学校生活をタイプの違うオス鳥たちと交流して過ごします。部活はもちろん生徒会や体育祭などの学校行事もありますし、夏祭りやクリスマスなど季節の行事も盛りだくさん。どのオス鳥と一緒に過ごすか、あなたの好みの鳥を選んでね。ゲームシステム。ゲームシステムはとっても簡単。アドベンチャーゲームやノベルゲームのように物語を読み進めていくだけ。たまに出てくる選択肢の選び方で主人公の行動やパラメーターが変化し、途中の展開やエンディングに影響します。また鳥の姿だけでは入り込めないなんて人にもバッチリ対応。人間風にしたイラストもオンとオフで切り替えることができるんです。そしてこのゲームにはボイスがないのですが、脳内でイメージできるよう実在の声優さんがすでに配役されていて、彼らの声を脳内で想像して楽しむことができちゃうんです。コンフュージョン。最初ゲー鳥かよなんと思っていた私ですが、フランス産のハトをパートナーに選び、プレイしてみるとまあゾッコン。キャラクターも作り込んでやってハマれます。すべてのエンディングを見たくなること間違いなし。そして一周が短いので飽きることなく何度も遊べてしまう恐るべしハートフルなゲーム。それがこのハートフル彼氏なのです。まさか私もハトの彼氏ができるとは思わなかったな。ああのんちゃん、ほんとどうもありがとうね。どうしてもやりたかったから。いいんだよ鈴木ちゃん。ありがとう。ということでみんなも私と一緒にハトの彼氏とハートフルな体験してみませんか。クルッとルブレコンブブレックルッポラネッコブレ。J'arrive pas à le dire, Rotsokidoji, j'arrive pas à le dire. Mais pour moi, c'est Dragon Ball avec des Kamehameha qui venaient du Zizi, finalement. Voilà, 101% c'est terminé. Demain, c'est Benoît, vendredi, c'est n'importe qui, et je vous dis à mardi.